Bonjour à tous, c'est Alex Vidéotest pour un nouvel épisode de la carrière FM avec Le Mans. C'est le début de la CFA 2. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé durant le mercato et surtout durant la préparation. Donc on va tout de suite commencer par parler des finances. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, quand on a fini la DH, j'étais à moins 85 000 par mois. Là je suis à moins 45 000. J'ai réussi à alléger le budget salarial. Mais toujours, je suis toujours dans le rouge. Donc j'avais très très peu de marge de manœuvre pour recruter. Donc il y a eu beaucoup de départs et très très peu d'arrivées. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va aller le voir ici dans l'historique des transferts. Trois arrivées dont je suis très 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 satisfait. Mais il y a également beaucoup de départs. On va commencer par les arrivées. Notamment celle de Julien Escudé, 35 ans. Là par contre, il y a une petite erreur. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Le rapport, ça peut être pas mal. Le contrat. L'entraînement. Je sais plus trop. Ça y est déjà. Info joueur, je pense que ça y est aussi. C'est de l'autre côté. Moi, ça, à la limite. Les notes, ça peut être pas trop mal non plus. Sauf qu'on les a ici, donc ça revient au même. Les postes. Ouais, voilà, c'est les postes qui manquaient. Il manquait les postes. Donc Julien Escudé, il était en fin de contrat avec le Beşiktaş, il a été libéré, il a très très peu joué lors de la dernière saison. Donc je l'ai pu l'acheter libre, enfin, le recruter librement. Je pense que ça va être un très gros atout lors de cette, enfin, pour la défense centrale en tout cas. J'en fais mon titulaire indiscutable. Charlie Dutournier, là c'est beaucoup plus jeune, seulement 20 ans. Libéré par Tours. Bon, il n'a pas fait une grosse saison. Hein. C'est un buteur. Il a marqué. Oups. C'est un buteur qui a marqué seulement 3 buts la saison dernière, mais en Ligue 2. Il a marqué 3 buts en Ligue 2. Donc en CFA 2, ça peut vraiment le faire. Il a l'expérience de la Ligue 2. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et là aussi, très très grosse recrue, sûrement plus grosse recrue. Hassan Yebda. Il a 30 ans, mais il a encore de très très bonnes qualités. Niveau salaire, c'est vrai que j'aurais pu m'en passer pour alléger. 25 000 euros par mois, c'est cher. Mais quand on voit ses qualités, un joueur qui a déjà joué au Mans. Certains, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent quand même Hassan Yebda. Un joueur qui a déjà joué au Mans, qui a joué aussi beaucoup en Ligue 1 à la JOCR. Il y en a qui peuvent le connaître pour ça. Et puis après, à Granada, il a connu un petit peu toutes les divisions, Yebda. Notamment un joli passage à Benfica lors de sa première saison. Et après, beaucoup de départs, notamment la vente d'Olivier Tomert pour 40 000 euros. Là, ça m'a fait du bien au niveau finance. Tomert qui est parti à Sochaux. Finalement, qui a été basculé en équipe réserve de Sochaux. Mais c'est pas grave, ça me fait 40 000. Et après, tous les départs qui sont là. Il y a évidemment les trois départs de Adenon, Kanté et So qui étaient signés déjà depuis quelques mois. Donc ça, j'étais sûr à les perdre. Et après, tous ces joueurs qui sont ici, ils étaient en fin de contrat. Et malheureusement, je n'avais pas assez de budget pour les renouveler. Donc la Pelosa est partie. Tous les joueurs qui étaient quand même jeunes. Il y avait une bonne équipe jeune. Il y en a qui ont déjà été recrutés. 21 ans, Salif Cissé, 22 ans. Qui est marqué... Il a marqué 10 buts la saison dernière. Bon, là, il a été recruté par Orléans. Djedou, Vanitou, c'est pas le même. Hein. C'est pas Samuel Vanitou, c'est son frère jumeau. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Emmanuel Vanitou, qui a un frère. Personne préférée, Samuel Vanitou, qui ont le même âge et qui sont nés le même jour. Donc, j'en conclus qu'ils sont jumeaux. Clément Buisson, qui a signé en CFA2, mais au Racing Colombes. J'aurais bien aimé le garder, il a seulement 22 ans, mais là aussi, fin de contrat, impossible à faire. Impossible à garder. Donc au final, on a cet effectif-là. Évidemment, on a Jérémy Janot, moi je pensais m'alléger de son salaire, mais en fait, il prend sa retraite à la fin de cette saison-là. Moi, je pensais que c'était la fin de la saison précédente. Des joueurs qui sont montés, que j'ai fait monter de l'équipe réserve, on a Escudé, on a Konaté, Doumbia, ça a été déjà, Chimpi aussi, Boudzoumou aussi. Ça, c'est des joueurs que j'ai fait monter, notamment Thomas Rivet. Très très bonne recrue. Enfin, très bonne recrue. Très bonne perle du centre de formation.
Il a seulement 15 ans et je pense qu'à 15 ans, ben, je peux peut-être le mettre titulaire. Parce qu'en ce qui concerne le rapport, il est meilleur que Bouzoumou. Donc c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, grosse marge de potentiel pour Thomas Rivet, que j'ai choisi de monter en équipe première, alors il appartenait à l'équipe U19, qui a quand même beaucoup d'autres recrues, notamment Sébastien Jourdan. Quand tu vaux 200 000 euros à 15 ans, en général, c'est que c'est pas mal. Ensuite, ben, j'ai Yebda, Ngangé, je l'avais déjà. Gabriel Seboya, que j'ai fait monter lui aussi de l'équipe première. Une petite perle au milieu. Ça peut aider, je pense pas qu'il sera titulaire, mais ça peut aider. Tout comme également Mathieu Blain. Mathieu Blain, bon, il a une sale tête, mais c'est pas très grave ça. 275 000 euros à 15 ans. Là aussi, lui, je l'ai fait monter. On a Makila, on a Choubani, Maurice, Karj, Dutourny, Koulibaly, Vanitou. Donc là, je pense être plutôt bien fourni. Après, je suis peut-être manqué d'expérience sur certains postes parce que j'ai fait monter des très jeunes joueurs. Mais ça peut vraiment le faire et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, pour les amicaux, ça a été pas si mal que ça. Hop, c'est ici. Avec une victoire, une autre victoire, une autre victoire. Puis ensuite des défaites. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu joues contre Lens qui est en Ligue 1? Tout simplement parce qu'il y avait une prime de 10 000 euros pour ce match-là. Et pour ce match-là, quand on joue contre des grosses équipes, ça rapporte des sous. Donc je m'en foutais un petit peu de perdre. Surtout que j'ai perdu vraiment de très très peu. Pareil contre la réserve de Monaco. Et un match nul contre la Gantoise. Avec un doublé de Charlie Dutourny. La Gantoise qui est quand même un club de première division belge. Donc il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. C'est ce qu'on va voir face à l'USSA Vertou. Donc voici un petit peu la composition de cette CFA2 groupe H. On a Avranches, on a en avant Guingamp, la réserve. Hop, ça sera mieux de le voir comme ça. La Vitrienne, Lannion, Le Mans, Locminé, Saint-Brieuc, Saint-Lô, Saint-Malo, Segré, la réserve du Stade Rennais, Granville, Vertou et la réserve de Vannes. Donc, par les médias, on est quand même prévu deuxième. Donc les médias s'attendent à ce qu'on soit deuxième. Là, je vais bien regarder le règlement. Monter. La meilleure équipe sera promue en CFA. Voilà. L'équipe classée deuxième jouera un barrage de montée. Donc ben, l'objectif, c'était dans les top 2. Dans les deux premiers. Donc voici un petit peu l'équipe que je vais aligner. Je pense qu'il n'y a pas trop d'erreur avec un Blain titulaire à 15 ans. Qui va commencer comme ça parce que j'ai perdu beaucoup de milieu. À moins, ouais, je vais plutôt mettre. On va plutôt mettre Ingangé qui a fait toute la saison dernière. Maurice Makila du tournier. Ingangé Yebda Chimpi. Rivé, le jeune joueur de 15 ans. SQD Doumbia Bouzoumou et Jeannot. Parce que Ngando Dikobo est blessé. Et donc je vais mettre Mathieu Blain. Ici, est-ce qu'on a un buteur remplaçant? On a Khalifa Koulibaly que j'avais recruté la saison dernière également. Alors que Samuel Vanitou qui avait fait un gros début de saison est quand même un bon joker également. Donc là, c'est l'équipe type à quelque chose près. Si on oublie les blessures, ils ont Olivier, ils ont Forrest. Il va courir vite, Forrest. Kevin Sablé. Après, je connais pas grand monde dans leur équipe. Ça devrait le faire, mais c'est un début de saison, c'est le premier match de la saison. On est à l'extérieur, donc évidemment, il va falloir s'attendre sûrement à quelques difficultés. Ça va pas être si simple que ça. On jouera en blanc pour ce match, avec le premier coup franc de Chimpi, qui joue vers Doumbia. SQD. SQD. Qui a fait de très bons matchs de préparation, SQD. Allez, on la récupère. SQD avec Yebda. J'ai fait que 3 recrues, mais je peux vous dire que les 3 recrues, c'est du titulaire indiscutable. Allez, Dutournier! Dutournier! En face à face! C'est l'arrêt du gardien, l'arrêt de Garnier. Qui s'est shampouiné les cheveux. Avant de faire ce match. Oh, SQD était pas loin de la pousser au fond. Peut-être une deuxième chance pour Maurice.
Rien à voir avec le Maurice de Watch Dogs, pour ceux qui ont commencé à suivre ma série sur le jeu. Donc on est encore à la cinquième minute et on a déjà eu quelques petites occasions alors que Avranches mène 1-0. Avranches contre qui on avait joué en Coupe de France lors de ma première saison au Mans. Et attention à cette attaque de Vertu. Il s'est récupéré par la défense avec Chimpy. Ouh là là, c'est le rouge là. Sablé là. Il a décollé les deux pieds et carton rouge. Carton rouge Arsène. Il a décollé les deux pieds, moi je trouve ça inadmissible. C'est incroyable. Bon ben ça va nous arranger. Ça va nous arranger les affaires. On va encore plus dominer je pense parce que Sablé est quand même un milieu. Et qu'un milieu manque, surtout dans FM, ça se voit de suite. Là, il faut qu'ils arrêtent de faire des longs ballons comme ça. Faut plutôt jouer dans les pieds, une gangée, voilà, un petit peu comme ça. Du tournier vers Kevin Makila et le but! L'ouverture du score du Belge Kevin Makila, ça fait 1-0. Sur un très beau jeu en pivot de Du Tournier, hop, qui voit sur le côté, et ensuite le contrôle est parfait. Et là, il n'a plus qu'à l'ajuster. Le gardien qui est sorti. Et qui n'a pas trop trop réussi sa sortie. Ça fait donc 1 à 0. Et on est content, on est content, on est content. Il va falloir essayer de marquer un peu plus. Faut en profiter pour claquer directement la première journée et prendre une grosse marge la différence de but. Allez, Chimpy avec Ngangé, ça va bientôt être la mi-temps du tournier qui va refaire la même avec Makila. L'accélération! Aïe aïe aïe, il était pas loin du doublé. Il a déposé le défenseur sur le coup de rein. Alors qu'on voit qu'au niveau des formes, c'est pas très très bon. C'est pas très très bon. Les joueurs sont encore un petit peu fatigués, mais moi, je leur dis, je suis satisfait, continuez sur ce rythme. C'est vrai qu'on est encore en début de saison, ils sont pas tout à fait en forme parfaite. On a une Ganji qui fatigue assez vite. Donc on va faire entrer le jeu de Mathieu Blain. Si je dis pas de bêtises, Mathieu Blain est également un rugbyman. Ça me dit quelque chose. Le voilà, Blain. Il a 15 ans seulement. Il a les couilles. Avec du barbier! Et c'était du tournier, pardon. J'ai l'habitude de dire du barbier, qui est un vrai joueur, il me semble, qui a joué à Lorient. Oh, SQD, encore une fois, sur le corner, il était pas loin. Qui c'est qui fatigue? Yebda, évidemment, avec Chimpy. Alors qu'SQD tient plutôt un bon physique. Allez, on va faire rentrer Khalifa Koulibaly, puisque Du Tournier n'arrive pas à marquer. Et on va faire rentrer Sofiane Choubani à la place de Maurice, qu'on voit pas beaucoup dans ce match. Maurice, des fois, il est capable de transformer un match à lui tout seul, par des coups de génie. Et là, je le sens pas dedans, donc autant le réserver pour la suite. Du Tournier avec Chimpy. Chimpy qui va jouer avec Makila. Makila qui retourne. Il préfère jouer derrière parce qu'il n'arrive pas à passer. C'est pas grave, on a la possession, il n'y a pas de souci. Bouzoumou avec Blain. On le voit beaucoup, Blain. Oh, il est passé, Bouzoumou, avec Makila. Makila, le centre au second poteau! Le but de Maurice! J'avais dit qu'on le voyait pas beaucoup, mais il suffit d'une fois pour marquer. Donc il marque ce but avant de sortir, Maurice. Il va au moins sortir sous les ovations, même si on est à l'extérieur, c'est pas grave. Il aura fait un bon match, alors que j'aurais peut-être dû sortir Yebda, qui fatigue. Il faut le préserver. Il faut que je préserve un petit peu mes vieux joueurs. C'est ça l'inconvénient de recruter, même si 30 ans, 30 ans ça va. J'ai plus de soucis à me faire pour SQD qu'il y en a 35. Ou pour Jeannot qu'il y en a 36, qui seront peut-être un petit peu fragiles. Oh, la passe de Blain, qui était bien intentionnée. Et pas assez précise. Attention, SQD est là, il donne à Jeannot, qui joue derrière. Je suis assez satisfait de l'entrée de Blain là, à 15 ans. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. J'ai vu de bonnes choses. J'ai vu de très bonnes choses. Attention à Olivier. Olivier pour Forest.
2-1, il reste 5 minutes. Attention, attention. Hop, on va rester vigilant. C'est pas gagné d'avance. C'est vrai qu'il y a un petit coup de fatigue de la part de la défense et surtout du milieu. Chimpi, Yebda, ça fatigue beaucoup. Makila est un peu crevé aussi. On va sûrement réussir à gagner, mais 2-1. Je m'attendais à plus, surtout qu'ils ont pris un carton rouge. Ils se sont très très bien battus, même si c'est vrai qu'ils ne nous ont jamais vraiment inquiétés. Je ne vais pas dire ça parce que c'est pas fini. Avec Forest, cours Forest, Olivier. Attention Olivier, il sort de la surface. Il joue derrière. Le centre de Bolo. Le Bolos. Heureusement qu'il a mal centré, parce que je commençais à avoir un petit peu peur quand Olivier a touché ce ballon dans la surface. Bon, je suis content, mais on aurait pu se faire surprendre. On aurait quand même pu se faire surprendre. Donc, homme du match, Kevin Makila, un but, une passe décisive. On a Avranches qui a gagné. Lokminé qui gagne 3-0 avec un doublé de Yana. Je vais quand même surveiller un petit peu les joueurs, quand, si je vois certains joueurs qui mettent des doublés ou des triplés. Donc lui, il me fait pas trop peur. La Bakayoko du Stade Rennais qui a gagné 1-0 contre Vannes. Bon, ben c'est pas mal. On commence bien. On commence bien. Comme vous le voyez, 11 tirs pour 54% de possession. On n'a pas été beaucoup inquiété, mais c'est vrai que sur la fin, ils auraient pu faire quelque chose. Makila, voilà, et SQD qui est de retour sur les terrains français. L'ancien Sévillan, Julien SQD. Et le marché des transferts qui va se terminer ici. Donc je pense que je vais le faire en vidéo, même si c'est vrai que je vais pas recruter Lucas Pédemas. Pas mal, il a l'air d'avoir un bon potentiel. À 21 ans, donc je vais le prêter. Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert de prêter un joueur gratuit? C'est essaye de tirer des sous. Donc les joueurs que j'ai prêtés, l'objectif prioritaire, comme par exemple Thomas Gomet, Nicolas Antoine et Maxime Gandon, ben, c'est de leur donner du temps de jeu tout simplement. Donc là j'espère qu'il va jouer, parce que ça n'a pas dû commencer. Mais c'est de leur donner du temps de jeu et voir un petit peu comment ils vont progresser. Et en fonction de leur progression, décider de les vendre ou de les garder. Parce que plus un joueur va jouer et plus il va évoluer, bien évidemment. Donc là, on me propose encore des joueurs qui sont libres. Ils sont libres. Par exemple, si je suis intéressé par Baba Silla, je peux proposer un contrat. Mais voilà, voilà ce qui se passe. Je suis dans le rouge. Je ne peux pas lui proposer un salaire conséquent qui va me permettre de le recruter. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir un bon budget salarial qui ira sûrement mieux avec la retraite de Jérémy Janot à la fin de saison. Parce que là, j'aurais pu essayer de le vendre, mais à l'âge qu'il a, surtout qu'il a déjà annoncé sa retraite, donc j'ai essayé de le vendre, je l'ai mis sur liste des transferts et personne ne l'a voulu. Mais en même temps, moi ça me dérange pas trop de garder Jérémy Janot en CFA2, qui est, je pense, en termes de statistiques et de qualité, un des meilleurs gardiens de la CFA2. Il y a quand même de très très bonnes stats. Et je pense pas que j'aurais trouvé un bon gardien, aussi bon en tout cas que Janot. Donc, essayez quand même de pas trop affaiblir mon effectif pour avoir toujours pour concrétiser mes objectifs. C'est-à-dire de monter en CFA. Et ensuite, il y aura l'objectif national, ça sera déjà pas mal. Ok. Bon ben le mercato est terminé. Prochain match contre Stade Rennais Réserve. Là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc cette équipe là peut être aussi bien prenable qu'il y a des fois impossible. Ça dépend de quels joueurs ils vont
faire descendre en équipe réserve. Donc, évidemment, je ne vous ai pas montré, parce qu'on est en août, il y a eu la Coupe du Monde 2014, qu'on va aller voir. Donc, déjà, vous vous dites, si Rudi Garcia est entraîneur de l'équipe de France, à mon avis, Deschamps n'a pas dû faire quelque chose de très très bon. Je sais plus où c'est. Compétition dans le monde. C'est pas ici. Nation. On va aller le voir comme ça. Si l'Argentine. Il me semble en plus, oui, que c'est. C'est bien l'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde. Allez hop, on clique sur Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde 2018, mais la Coupe du Monde 2014. Saison précédente, en 2014. Hop, deuxième tour. Voilà. Voilà un petit peu l'Uruguay qui est passé face à la Croatie. Les Pays-Bas qui ont battu la Grèce. L'Espagne qui a sorti l'Iran. L'Iran qui est déjà passé les groupes, c'est quelque chose d'énorme. Le Nigeria qui a éliminé l'Allemagne, petite surprise là aussi. Mais la France, où est la France? Où est la France? Vous allez me le dire ça. Voilà un petit peu le Brésil qui finit dernier de son groupe, assez énorme, alors que la Tunisie est deuxième, et un groupe vraiment à la portée du Brésil. On ne comprend pas, d'ailleurs l'entraîneur a été viré. Belgique-Uruguay qui passe, là Italie-Grèce, ça peut se comprendre, là aussi Pays-Bas-Russie. La Colombie, grosse surprise, éliminée par l'Iran. Le Portugal qui passe aussi. Là, un groupe vraiment à la portée de l'Espagne et de l'Angleterre, même si le Pérou s'est bien sorti. Et là, ben, c'est l'Algérie qui se qualifie devant les États-Unis et la France. Et pareil, pareil ici. Donc, si on regarde tout ça en détail, l'Argentine a battu l'Espagne en finale. Alors que la Tunisie a quand même fait une demi-finale, c'est quand même pas mal. En éliminant l'Italie en quart de finale. Donc voilà pourquoi je vous montre ça. Car Rudi Garcia est entraîneur de l'équipe de France. Il a appelé Mandanda, Lloris, Ruffier, Debuchy, Kurzawa, Rami, Varane, Koscielny, Sakho, Evra et Sagna. Matuidi, Grenier, Pogba, Griezmann, Ben Arfa, Menez, Nasri, Kabaye et Morgan Schneiderlin qui a signé à Monaco. Les attaquants, on a Gamero, Benzema et Giroud. France Espoir, entraîné par Willy Sagnol. Et donc j'ai deux joueurs appelés en équipe nationale, Yebda en Algérie et Moussa Doumbia en équipe du Burkina Faso. Moussa Doumbia qui vient juste d'être sélectionné. J'ai commencé ma carrière, il n'était pas sélectionné. Et ben grâce à ses bonnes performances, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière, mais cette saison je pense qu'il sera titulaire vu qu'il y a eu certains départs. Notamment le départ d'Adenon en défense centrale, qui va lui permettre d'avoir plus de temps de jeu. Et en plus, s'il joue avec le Burkina Faso, il va évoluer encore plus vite. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va se retrouver peut-être pour la mi-saison, pour la Coupe de France. Hop, on a aussi Budzoumou appelé au Congo. Pour sa deuxième sélection. Et Ngangé qui joue avec le Congo U20 également. Je vais juste aller voir la composition du Stade Rennais Réserve avant de quitter cette vidéo, faire une petite analyse. Le report de. Ouais, parce qu'il va me manquer des joueurs, donc je peux demander ça. Ouais, je peux demander ça. Je vais demander à ce qu'on reporte le match de CFA. À cause des absents internationaux. Alors, voyons voir. L'équipe qui nous ont préparé. C'est pas ici. C'est là. On a Abdoulaye Sané. Ouf, ouais, je vais ramasser. Je vais ramasser Sadio Diallo. Ousmane Dembélé. Dimitri Foulquier, Cheick Diarra, Axel Ngando également. Ouh là 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 là. Ouais, grosse équipe, grosse équipe. Donc ça va être compliqué, ça va être compliqué, mais bon. Je suis à domicile, donc maintenant à moi
d'adapter bien ma stratégie et de réussir à battre cette équipe. J'espère que cet épisode vous aura plu, pardon. Et ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai l'impression que cette série, c'est vous avez été très emballé par le par les premières vidéos et que là, ben, petit à petit, plus je fais des épisodes et il y a de moins en moins de nombre de commentaires et de vues. Donc j'espère que voilà que ça va se relancer un petit peu. C'est bientôt les vacances d'été, donc moi je vais envoyer ça rapidement. Là, en 2 ou 3 vidéos, on sera à la fin de saison de CFA2. Et voilà, ça sera sûrement pour vous plus intéressant si j'arrive en national ou même en Ligue 2, Ligue 1. Mais bon, avant ça, toute la difficulté de ce défi, ben, c'est dans les échelons inférieurs, la CFA. La CFA2, c'est des championnats compliqués parce qu'on a peu de moyens. On tombe contre des équipes réserves, donc qui bénéficient des joueurs d'équipe première. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour les petits clubs. C'est pas facile. Donc allez, je vous laisse. À très bientôt. Salut tout le monde.